des violences en général, plus particulièrement du harcèlement, du cyberharcèlement, mais on va parler des violences en général. J'ai appris que le harcèlement, ça pouvait être sous plusieurs formes, que ça pouvait attirer des conséquences terribles. Moi-même, je l'ai vécu. Et franchement, c'est pas sympa à vivre. On n'arrête pas d'y penser. Souvent, on en rêve, on en fait des cauchemars. J'ai compris que c'était tous les jours. Au bout d'un ou deux mois, j'en pouvais plus. J'ai voulu mettre fin à mes jours avec un couteau. Pas bien de faire du mal aux gens, parce qu'après, les conséquences, elles peuvent être graves. Des fois, on voit des bagarres, des insultes. Il faut aider les personnes en difficulté, mais en parler. Quelle que soit la violence, le harcèlement, tout ça, ça va jouer sur la santé des jeunes. On explique un petit peu les mécanismes de la violence pour essayer de les faire réfléchir, par eux-mêmes en tout cas, à ce qu'ils trouvent des solutions. Comment on préserve notre santé, comment on préserve notre santé collective pour que justement on puisse être dans de bonnes conditions pour travailler au sein d'un établissement scolaire.